Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un roman qui s'intitule Pas d'orchidée pour Miss Blendish. Il s'agit d'un roman de Chase publié en 1939. Bailey garde la pancarte et entre dans un restaurant. Son passager, Sam, reste endormi dans la voiture. Bailey et sa bande ont besoin d'argent. Annie travaille pour le riche Monsieur Blendish. Sa fille va avoir 24 ans. Pour son anniversaire, son père va lui offrir un collier de famille qui vaut dans les 50 000 $. Elle va fêter son anniversaire chez elle avant d'aller avec son petit ami, Jerry McGowan, à l'hôtellerie du Chausson d'Or. Annie pense que le vol du collier sera trop difficile pour Bailey et sa bande. Bailey téléphone à Riley, qui est un membre de sa bande. Il le met au courant pour le collier. Riley va participer à son vol. Dans la grande salle du Chausson d'Or, Bailey attend Miss Blendish. Sam et Riley l'attendent dehors dans la voiture. Miss Blendish fait son apparition avec son fiancé. Ce dernier se saoule. Une dispute et une bagarre se déroulent dans la pièce. Le couple sort de la salle. Bailey rejoint ses amis. Il y a une course-poursuite entre la Packard conduite par Sam et la Jaguar conduite par Miss Blendish. La Jaguar est trop rapide pour la Packard, mais en prenant raccourci, Sam parvient à se trouver devant la Jaguar. Sam force Miss Blendish à s'arrêter. Bailey veut faire son braquage. McGowan, bien que saoul, se bagarre avec Bailey et prend le dessus. Bailey n'a pas d'autre choix que de lui tirer dessus. McGowan décède, ce qui bouleverse les plans du gang. Riley a l'idée de capturer Miss Blendish et de demander une rançon à son père. Le corps de McGowan est caché. La bande veut se rendre chez Johnny qui pourra les cacher. Ils s'arrêtent à une station essence. Une Buick arrive et s'arrête. Eddie et Flynn en sortent. Ce sont des connaissances de la bande. Eddie remarque Miss Blendish dans la voiture. Riley raconte que cette fille a pris une cuite et que lui et ses amis la raccompagnent chez elle. Eddie passe un coup de fil à la chef de son gang appelée Man Grissom. Eddie lui dit que Riley et sa bande ont enlevé une fille de la haute société. Man reconnaît la fille Blendish grâce à la description faite par Eddie. Elle envoie des membres de son gang chez Johnny pour chercher Miss Blendish. Riley, Sam et Bailey arrivent chez Johnny. Ils sont méfiants suite à leur rencontre avec la bande à Grissom. Johnny finit par accepter de les héberger après avoir su qu'il pouvait avoir un quart de la rançon, soit 250 000 $. Riley monte Miss Blendish dans une chambre. Riley téléphone à sa copine qui s'appelle Anna et il la met au courant de ce qu'il est en train de faire. Quand la bande Grissom arrive chez Johnny, Riley fait monter Johnny dans la chambre de Miss Blendish pour la faire tenir tranquille. Ma a envoyé Eddie, Flynn, Doc, Whoopi et Slim chez Johnny. Riley explique à Sim que la fille qui était dans sa voiture était une tapineuse et que lui et ses amis l'ont laissé entrer à pied chez elle. Eddie fait peur à Johnny qui finit par lui dire que Miss Blendish est ici. La bande à Riley est en train d'être désarmée. Sam a le temps de sortir son feu mais il reçoit une balle dans la tête avant d'avoir pu l'utiliser. Miss Blendish est amenée auprès de Slim. Il lui remet son collier. Bailey et Riley sont emmenés dehors. Bailey se défend et se retrouve avec le couteau de Slim dans la gorge. Riley supplie Slim de ne pas le tuer. Miss Blendish est amenée auprès de Man. Man dit que Miss Blendish restera chez eux tant que le père n'aura pas payé la rançon. Man veut qu'aucun garçon s'intéresse à la jeune femme. Elle dit à Eddie de téléphoner en ville et de proposer au père sa fille contre de l'argent. Elle envoie Flynn auprès du garçon de la station essence car il peut être un témoin gênant. Elle pense à faire courir le bruit que c'est Riley qui a enlevé Miss Blendish. Elle confie à Doc qu'une fois l'argent reçu, elle se débarrassera de la fille. Doc dit à Man qu'il a senti de l'amour en Slim quand il a vu Miss Blendish. Man dit à Doc d'écrire une lettre au père pour lui donner des instructions au sujet de la remise de l'argent. Pour faire comprendre qu'il est prêt à donner l'argent, M. Blendish devra faire apparaître dans le journal une annonce à propos de tonnes de peinture à vendre. Man va parler à son fils Slim et elle se rend compte que son fils est épris de Miss Blendish. Il dit vouloir garder Miss Blendish après avoir reçu la rançon. Man lui dit qu'une telle fille ne voudrait pas d'un type comme lui. Quand elle lui demande le collier de Miss Blendish, Slim ne veut pas le lui donner.
Elle insiste et il lui fait peur avec un couteau. Slim propose un échange. Elle aura le collier si elle arrive à faire en sorte qu'il arrive à plaire à Miss Blandish. Man décide de laisser son fils s'amuser avec Miss Blandish avant de la faire disparaître. Eddie rencontre Whoopi en ville. Annie aurait dit aux flics que Bailey s'intéressait au collier. Par conséquent, il pense que Bailey et Riley ont enlevé Miss Blandish. Eddie téléphone au père d'une cabine téléphonique. Il lui propose un marché. Sa fille contre 1 million de dollars. Eddie le menace de représailles sur sa fille s'il ne se tient pas tranquille. Eddie voit une jolie femme. Elle ne lui parle pas, mais quand elle passe près de lui, elle laisse tomber une carte sur laquelle se trouve une adresse. Eddie pense que c'est une prostituée. Eddie et Whoopi rentrent chez Man afin de pouvoir faire leur rapport. Elle leur dit que Miss Blandish ne rentrera pas chez elle, que Doc ou elle-même s'en chargera. Quand Eddie regarde la carte de la soi-disant prostituée, il s'aperçoit qu'il est écrit « Qu'avez-vous fait de Frankie Riley ?» Eddie, Flynn et Whoopi se rendent au Palace Hotel. Whoopi reste dans la voiture. Après avoir agressé le gardien de nuit, ils apprennent que la femme s'appelle Anna Borg. Eddie fouille seul la chambre 243 qui est celle d'Anna, mais il n'y trouve personne. Eddie et Flynn vont dans la chambre d'à côté. Durant la nuit, Anna quitte la chambre qui était en face de la sienne et entre dans sa chambre. Quand Eddie entre dans la chambre qu'Anna vient de quitter, il trouve un homme mort d'une balle dans la tête. Man va dans la chambre de Miss Blandish. Cette dernière dit être vierge. Car Miss Blandish ne veut pas se laisser faire, Man la menace de violence. Whoopi revient à la maison. Il dit s'être enfui après que des flics sont arrivés à l'immeuble à côté duquel il attendait et après avoir entendu des coups de feu. Les hommes se trouvant dans la maison entendent Miss Blandish crier, mais ils préfèrent ne rien faire. Man menace Miss Blandish de recommencer si elle ne fait pas quelque chose en particulier. Pour ne pas laisser de traces sur le corps de Miss Blandish, Man pense demander de l'aide à Doc. Eddie reconnaît le corps d'Annie. Eddie trouve la porte de la 243 fermée. Anna a dû ouvrir une fenêtre. Quand Eddie et Flynn s'apprêtent à partir avant d'avoir des ennuis, deux flics sont en train de monter l'escalier. Les deux hommes s'enfuient sur le toit. Ils se séparent. Eddie entre dans la chambre d'une jeune femme qui le couvre quand un policier vient toquer chez elle. Elle veut qu'Eddie reste chez elle. Le lendemain paraît une annonce à propos de tonnelles de peinture. Man dit à Doc de donner rendez-vous à M. Blandish à la station-service Maxwell. Il devra balancer la valise auprès du golfe de Blue Hills où Flynn et Whoopi seront. Une fois qu'ils auront l'argent, Miss Blandish sera liquidée. Flynn a remarqué que Doc est entré dans la chambre de Miss Blandish avec une seringue. Il a également vu Slim y entrer. En apprenant cela, Eddie se rend dans la chambre de Miss Blandish. Cette dernière dit que Slim passe des heures à côté d'elle à parler. La police a reconnu le corps d'Annie dans l'hôtel. Elle pense que c'est Riley qui a enlevé Miss Blandish. Man envoie Eddie s'informer sur Anna auprès de son employeur piteux qui possède le Cosmos Club. En l'interrogeant, Eddie apprend qu'Anna était la copine de Riley et qu'Anna ne comprend pas pourquoi Riley l'a laissé tomber après l'enlèvement. Anna est toujours à l'hôtel et des flics lui tiennent compagnie car ils pensent que Riley va revenir la voir et que c'est lui qui a tué Annie. Eddie dit à Piteux d'appeler Anna et de lui dire de venir dans son bureau. Eddie fait éloigner Piteux. Anna arrive. Anna, c'est qu'Eddie, Flynn et la bande à Riley se sont rencontrés à la station-service. Le pompiste lui a téléphoné avant d'être retrouvé avec une balle dans la tête. Eddie lui dit qu'il a rencontré Riley et sa bande à la station, mais qu'ils se sont séparés après et qu'il ne sait pas où Riley se trouve. Il dit que des bruits courent comme quoi Riley serait tombé amoureux de Miss Blandish et aurait laissé tomber Anna. Anna semble le croire. Eddie lui propose une aide financière. Ils se quittent. Flynn et Whoopi sont à leur poste. Une voiture vient et le conducteur balance une valise. Les deux hommes repartent avec la valise. Ils rentrent chez Man. La valise contient bien les billets de la rançon. Man ne donne pas les parts d'argent qui reviennent aux membres du gang. Elle pense que l'on peut remonter jusqu'à eux s'ils dépensent ces billets car les billets sont numérotés. Elle veut donner l'argent à Schulberg qui le lui échangera contre 500 000. Elle veut donner à ses hommes que 300 dollars car elle sait que s'ils dépensent trop d'argent, ils vont attirer l'attention des fédéraux. Elle compte ouvrir un cabaret grâce à l'argent. Flynn pose des questions au sujet de l'enterrement de Miss Blandish. Man propose de la tuer quand elle sera endormie.
Slim ne veut pas qu'on la touche. Elle est à lui. Il menace une nouvelle fois sa mère avec un couteau. Slim entre dans la chambre de Miss Blendish avec l'intention de lui montrer qui est le maître. Dave Fenner est un ancien journaliste qui est devenu enquêteur. Il travaille avec son assistante Paula Dolan. Dave est à court d'argent car personne ne lui a proposé d'affaires dernièrement. Monsieur Blendish vient et lui demande de l'aider à retrouver les ravisseurs de sa fille. Cela fait 3 mois que sa fille a été enlevée. Les fédéraux n'ont pas réussi à lui rendre sa fille. Monsieur Blendish s'adresse à Dave car il connaît bien des membres de la pègre. Cela étonne Dave que ce soit Riley et Bailey qui aient commis un kidnapping car ils n'avaient pas le cran de le faire. Il trouve étrange que Riley ait abandonné Anna du jour au lendemain. Dave demande 48 heures avant de dire à Monsieur Blendish s'il est possible qu'il retrouve sa fille. Monsieur Blendish pense que sa fille est morte. Monsieur Blendish lui remet un chèque de $3000. Dave se rend chez le capitaine Charles Brennan. Ce dernier s'est en réalité débarrassé de Monsieur Blendish qui l'importunait trop en l'envoyant auprès de Dave. Brennan pense que Miss Blendish est décédée. Anna travaille maintenant au Paradise Club qui appartient au gang Grissom. Le nouveau copain d'Anna s'appelle Eddie. Dave apprend qu'Anna travaillait auparavant au Cosmos Club. Dave et Paula dînent à ce club. Après avoir dîné et dansé, Dave va voir Peter. Dave lui fait peur en disant qu'Harry, qui a une dent contre lui, a vu Peter en compagnie d'une fille mineure. Contre le fait de lui dire où se trouvent Harry et la mineure, Peter doit dire à Dave ce qu'il sait d'Anna. Il lui raconte ce que l'on sait déjà. Dave veut voir Anna le lendemain. Tony Rocco est l'ancien propriétaire du Paradise Club. Il a été davantage éjecté que payé par le gang Grissom. Tony travaille maintenant dans une loterie clandestine et se vengera tôt ou tard du gang Grissom. Ma a transformé le club en forteresse et elle n'y accepte que des gens huppés. Miss Blendish est à l'intérieur du club. Slim passe la plupart de son temps auprès d'elle. Slim va la voir et lui offre un cadeau. Droguée, Miss Blendish n'ouvre pas son cadeau. Slim l'ouvre lui-même. Eddie voit un homme arriver. Il pense que c'est un flic. L'inconnu a signé Jake Doyle sur le registre. Les lumières s'éteignent dans la salle quand Anna fait son numéro de danse. Quand les lumières se rallument, Eddie ne retrouve plus Jake Doyle qui a disparu. Jake Doyle rend visite à Dave. Il a filé Anna, mais il doit maintenant abandonner. Il passe ses informations à Dave. Il lui parle de sa visite de la veille. Après que les lumières se soient éteintes, Jay est monté au premier étage. Il a vu une porte avec un verrou à l'extérieur et Slim en sortit avec un couteau. Dave va voir Anna sans qu'Eddie soit là. Après leur réveil, Anna et Eddie se disputent. Anna aimerait devenir une vedette et sortir de ce trou. Eddie finit par lui mettre des fessées. Après le départ d'Eddie, Dave entre dans l'immeuble. Anna le laisse entrer après que Dave lui ait dit qu'il a un rôle de vedette à New York pour elle. Dave dit à Anna qu'une fois qu'elle sera connue, on se penchera sur ses anciennes relations qui sont Eddie et Riley. Dave propose de changer l'histoire d'Anna et de la transformer en pécheresse repentie. Les journalistes pourraient être convaincus si Miss Blendish est retrouvée grâce à Anna. Anna dit que Riley lui a téléphoné de chez Johnny. Eddie revient à l'appartement car il a oublié son portefeuille. Dave donne un coup de poing à Eddie puis il s'enfuit. Eddie reconnaît Dave comme étant un journaliste. Eddie téléphone à Man et lui raconte ce qu'il vient de se passer. Man craint que Dave tire les verres du nez à Johnny. Man envoie Slim, Whoopi et Flynn chez Johnny pour descendre Dave et Johnny. Flynn annule son rendez-vous avec sa copine Maisie. Cette dernière va manger au restaurant. Rocco la rejoint. Il espère avoir un tuyau contre Man. Il l'attire chez lui en lui promettant $30 par semaine pour une affaire. Il la fait boire. Il lui demande des informations sur Man. Elle avoue que Slim a une femme qui l'enferme dans une chambre et que Doc et Man montent tous les jours dans sa chambre. Slim promène Miss Blendish tous les jours entre 10h et 11h. Dave fonce chez Johnny. Il dit à Paula de prévenir Brennan. Il rencontre Johnny et le force à dire la vérité. Dave parvient à savoir que le gang Grissom était chez Johnny en même temps que la bande à Riley. Un homme est à la porte et mitraille Johnny. Dave a eu le temps de se cacher. Les membres du gang Grissom lancent une grenade. La maison s'écroule et Dave est assommé. Quand Dave reprend conscience, Brennan est à ses côtés.
Il lui apprend que Johnny est mort. Dave pousse Brennan et ses hommes à rechercher les trois corps enterrés de Sam, de Riley et de Bailey. Dave comprend comment a acheté le club grâce à la rançon de Blendish. Dave pense à coffrer Anna. Si on lui dit qu'Eddie a été tué par la bande Grissom, elle pourrait refiler un tuyau. En cours de route, Brennan donne l'ordre par téléphone d'arrêter Anna. Rocco veut entrer dans le club. Il passe par le toit d'un immeuble voisin et entre dans l'entrepôt avant d'atteindre le club. Il entre dans la chambre de Miss Blendish et la reconnaît. En pensant à la récompense de 15 000 $ que M. Blendish est prêt à offrir, il fait sortir Miss Blendish et la met dans sa taxi. En même temps, Man a Flynn au téléphone. Il lui dit que l'affaire est réglée. Eddie émet l'idée de se séparer de Miss Blendish. Doc lui fera une piqûre. Eddie est envoyé au cinéma. Slim revient et Man lui dit que Miss Blendish est partie. Il le prend très mal. Doc dit que c'est Rocco qui a enlevé Miss Blendish après avoir entendu une conversation dans un bar. Slim sort à la recherche de Miss Blendish. Rocco a amené Miss Blendish chez lui. Il cherche à contacter M. Blendish chez lui, mais il ne trouve pas son numéro. Trop gay, Miss Blendish ne peut pas l'aider. Elle veut retrouver Slim. Elle empêche Rocco d'appeler les flics. Miss Blendish l'assomme avec un cendrier. Slim parvient à entrer et donne plusieurs coups de couteau à Rocco. Anna est enfermée dans une cellule. Elle pense qu'on a découvert que c'est elle qui a tué Aini. Anna ne veut pas parler à Brennan. Elle ne collabore que lorsque Dave lui parle du fait qu'il sait que c'est elle qui a tué Aini. Anna dit qu'elle sait qu'il y a une femme dans la chambre du premier étage, mais qu'elle ne sait pas qui. Anna ne voit pas comment la police pourrait prendre d'assaut le club. Brennan va accueillir un membre du gang Grissom afin de savoir comment pénétrer dans le club. Eddie a fini son film et revient chez lui. Le concierge lui apprend qu'il a vu Anna s'en aller avec une valise. Il est cueilli chez lui par deux policiers. Il ne parle qu'après que Brennan lui ait fait peur en lui parlant de deux hommes qui pourraient la mocher. Eddie leur dit que Miss Blendish est morte, piquée par Doc. Il dit que l'on peut pénétrer dans le club en passant par l'entrepôt. Dave appelle M. Blendish pour le mettre au courant de la mort de sa fille. Slim veut que Miss Blendish s'habille en homme avec les vêtements de Rocco. Il abuse d'elle. Anna se grime en homme et ils sortent tous les deux par l'escalier de secours. Près du Paradise Club, il voit des voitures de police s'arrêter. Après avoir tiré sur un policier qu'il avait reconnu, Slim fonce avec sa voiture. Brennan met des policiers à sa poursuite. Consciente du fait d'être encerclée, Man a l'idée de se faire tuer et de tuer quelques policiers. Whoopi et Flynn sont fusillés. Man tire sur Doc qui voulait se rendre. Slim parvient à se débarrasser des policiers qui le poursuivaient. La nuit tombe. Dans une ferme, il vole de la nourriture et une robe. Miss Blendish ressent le manque de drogue. Slim s'arrête dans une station pour appeler Pete afin d'avoir des nouvelles de Man. Il apprend que Man est décédé après avoir tué 4 policiers. Slim tire sur un milicien qu'il avait retrouvé. Il s'enfuit de nouveau avec la voiture. Dave met au courant M. Blendish des dernières nouvelles. Sa fille serait vivante. Dave lui dit que sa fille aura besoin de temps et d'aide afin de faire face à sa liberté retrouvée. Il voudrait mieux que M. Blendish ne rencontre pas de suite sa fille après sa libération. Brennan et Dave commandent les opérations de recherche du commissariat. Slim sera tôt ou tard piégé. Il a été aperçu dans une ferme. Dave et Brennan se rendent sur place. Slim et Miss Blendish sont installés dans le grenier d'une grange. Quand Slim est sorti pour avoir de l'eau, il a été vu par le fermier et ses fils. La ferme est encerclée. Brennan et Dave arrivent en hélicoptère. Slim veut agir comme sa mère, c'est-à-dire tuer des policiers avant de mourir. Slim est fusillé sans avoir pu tuer quelqu'un. Dave va chercher Miss Blendish. Il lui propose de se rendre dans une chambre d'hôtel où elle sera tranquille. Elle ne veut pas voir de docteur ni son père. Elle est emmenée à l'hôtel par Dave. Miss Blendish sait qu'il sera difficile, voire impossible, de renouer avec une vie normale. Elle n'a pas cette force car avant son enlèvement, elle n'a connu qu'une vie sans problème. Elle demande à voir un médecin. Tandis que Dave demande à un agent d'aller chercher le médecin, Miss Blendish s'enferme et se défenestre. Dans ce roman, beaucoup de violence est occultée. On ne voit pas la mort de Riley. La première séance de torture d'un man sur Miss Blendish n'est pas racontée, mais on devine ce qui a pu se passer.
Le premier vol de Slim sur Miss Blendish est suggéré. Le viol de Slim sur Miss Blendish dans l'appartement de Rocco est suggéré. Doc n'est jamais montré en train de droguer Miss Blendish. Et on devine que Miss Blendish s'est défenestrée. Malgré la violence qui est cachée, ce roman transpire la violence. Nous parlons de deux gangs prêts à tout pour recevoir une grosse somme d'argent. Il y a de nombreuses armes, des pistolets, des fusils, des couteaux, une grenade et même des objets qui pourraient ne pas en être, tels que le cendrier. Il y a de nombreuses morts. Il y a celle du fiancé de Miss Blendish, celle de Sam, de Riley, de Bailey, d'Ainy, de Rocco, de Johnny, du pompiste, de Man, de Doc, de Flynn, de Whoopi, de Slim, des policiers et de Miss Blendish. Il y a de la violence dans les couples. Anna et Riley se disputaient souvent. Eddie bat Anna. Dave lui-même entretient une relation étrange avec Paula. L'alcool est très présent. Miss Blendish est la plupart du temps droguée par Doc. Slim est dépeint comme un malade mental. Les personnages qui gravitent autour d'eux ne sont pas bons. Anna est intéressée par l'argent et par la gloire. Rocco est très rancunier. Brennan est inefficace en plus de vouloir se débarrasser de Monsieur Blendish. Ainy a dénoncé Bailey. Le fiancé de Miss Blendish est alcoolique. Johnny accepte de cacher Miss Blendish et vend rapidement la mèche. Face à ces personnages mauvais, nous avons trois personnages qui sont hors du lot. Il y a Miss Blendish. Elle s'occupe de son fiancé alcoolique. Elle parvient à devancer durant longtemps Sam lors de la course-poursuite. Elle supporte les mauvais traitements de Man et de Slim. Cette nouvelle vie est si ancrée en elle qu'elle demande à Slim quand Rocco la kidnappe, qu'elle dit que Slim vit en elle lorsqu'elle est interrogée par Dave et qu'elle choisit de mourir quand son calvaire prend fin. C'est l'absence de problèmes lors de sa vie antérieure qui fait qu'elle ne peut pas reprendre sa vie d'avant. Monsieur Blendish sort également du lot. Il est prêt à tout pour sa fille. Il était très présent lors de l'enquête de Brennan. Il est capable de faire ce que les ravisseurs lui demandent. Il confie cette enquête à Dave. Il accepte même de ne pas revoir sa fille suite à sa libération comme le lui demande Dave. La troisième personne qui sort du lot est Dave. Comme M. Blendish, il est capable de tout pour résoudre cette enquête. Il est intéressé par l'argent que peut lui donner M. Blendish, mais il pourrait en avoir bien plus s'il s'adonnait à d'autres activités qu'il a pourtant sous les yeux. En quelques jours, il est plus efficace que Brennan qui a travaillé sur l'affaire durant quelques mois. Miss Blendish, M. Blendish et Dave sont trois éléments reflétant le bien, alors qu'ils évoluent dans un monde où le mal est partout. Face à eux, il y a une autre force, Man et Slim. Ils sont violents, mais pire que cela, ils sont psychopathes. Man dirige le gang Grissom. Le surnom Man est donné par tout le monde. C'est elle qui prend les décisions et les autres, tels des enfants, n'ont pas d'autre choix que de lui obéir. Jusque-là, elle ne pensait pas que Slim pouvait s'intéresser aux femmes, alors que Slim est un adulte. Slim a aussi son importance. Il parvient à faire peur à sa mère en brandissant son couteau. Il parvient à faire peur aux autres membres du gang. Il parvient même à faire peur à Johnny, qui est pourtant souvent lié à des malfaiteurs. Slim est un des seuls à utiliser un couteau. Les autres préfèrent les armes à feu. Ce n'est pas pour cela que Slim est moins efficace qu'eux. Parce qu'ils font le mal pour le plaisir de faire le mal, nous pouvons tout attendre d'eux. Il est dit plusieurs fois qu'il aurait mieux valu que Miss Blendish soit morte. Le fait de la laisser vivante montre toute la cruauté de Slim et de Man. Le reste du gang Grissom ne font que de les suivre. Quelquefois, un personnage dit son désaccord, mais finalement, il se rallie au gang. Bien des personnages n'agissent que par avidité d'argent. Johnny accepte de cacher Miss Blendish car cela pourrait lui rapporter 250 000 dollars. Rocco enlève Miss Blendish car il pense à l'argent de la récompense. Anna laisse entrer Dave chez elle car il y fait miroiter un contrat à New York. La bande à Riley vole le collier de Miss Blendish car il coûte cher. Ils enlèvent Miss Blendish car la rançon sera importante. Seulement et Slim agissent sans tenir compte de l'argent. Slim a besoin de satisfaire ses pulsions sadiques. Cela ne lui rapporte pas d'argent de garder Miss Blendish auprès de lui. Man est elle aussi sadique. Elle violente gratuitement Miss Blendish et elle a un rapport aux autres membres du gang qui est anormal. Au moment de sa mort, nous remarquons que la chef du gang est bien elle. Touchée par les balles, elle ne se laisse pas vaincre et entraîne plusieurs policiers dans la mort. Slim n'a pas la même attitude face à la mort. Comme l'avait prédit Dave, Slim a peur. Pas à lui, à sa fille. Tu l'as déjà vu ? Quel morceau ! Je donnerais 10 ans de ma vie pour l'enviander.
Ben, Hélène n'eut pas l'air intéressée. Je les connais, ces filles pleines de fric. Elles savent même pas à quoi elles peuvent servir. Je parie que celle-là le sait, fit Heini avec un soupir. Son vieux donne une réception pour son anniversaire. Elle a 24 ans. L'âge idéal, quoi. Il lui offre les diamants de la famille. Il roula des yeux. Mince de collier. On dit qu'il vaut 50 000 tickets. La blonde lui apporta son repas en prenant bien soin de rester hors de portée. Elle s'en fut. Heini approcha sa chaise et se mit à manger bruyamment. Bailey, qui avait terminé, s'adossa à son siège et entreprit de se curer les dents avec une allumette. 50 sacs, songeait-il. Est-ce qu'il y a une chance de mettre la main sur ce collier? Est-ce que Riley aura assez d'estomac pour tenter le coup? Où ça se tient, cette sauterie? Chez eux? Tout juste, répondit Heini, qui s'empiffrait. Ensuite, la gosse va finir la soirée avec son petit ami, Jerry McGowan, à l'hôtellerie du Chausson d'Or.